Un paysage, une source en prison, un delta tout en boue. Et puis le cri et la parole, dans l'instant et dans la durée. Mes saisons en rythme que je pousse à saison unique. L'or, je me sens le fils ensemble et l'étranger. Dans la langue que je crie, mon langage crisse en rafale. De doux marigots ce sont des histoires, des fonds, l'histoire. Tous mes houles comptés, tous mes véluses et mes longouets que vent décrit. La houle est un ressac qui s'affole de ton cœur. La houle est un ressac qui s'affole de ton cœur. Dis-moi le passé, papa Longoué. Qu'est-ce que c'est le passé? Ils sont sauts par là-bas, ils disent tout ce qui est passé est bien passé. Je passe dans les bois et caché au fond du bois. C'est pour autant que je marche dans les bois, sans descendre. Soi-disant ouvrier des deux côtés de 1848. Le temps de bourre et de beurre rouge, et de ponche à la glace. Le temps de docteur, de pharmacie à quinine, sans compter l'hôpital à mouches. Le temps du cinéma sans parole, tout bourré, dans les jeudis, les samedis, les dimanches, de l'aide à laïs. Le temps de fusillade dans les champs calmes. Le temps de l'enfant gagné, qui avait marronné sur 2 kilomètres et qui était introuvable. Le temps des deux puissances qui étaient à venir, qui devaient user leur corps sous tant d'hommes délirants, tout aussi que leur esprit sous tant de temps. La barrique n'était pleine que de l'odeur des temps qui tourbillonnaient devant lui. Dans la maison des esclaves, là-bas, sur l'autre côté, dans la maison,
pavé de pierre. Et au bout, le trou de lumière, d'où s'engouffrait le bruit des vagues. De chaque côté du couloir s'ouvraient les étroites cellules où on les parqua pour la deuxième fois. La même fosse de nuit qui recevait le grondement de la mer. Comme si les cellules étaient construites en contrebas. Comme si elles baignaient directement dans la mer. Et qu'ainsi, elles figuraient d'avance l'entrepont du bateau. L'entrepont qui, entre les lames, résonnerait autant qu'une canne. Au bout du couloir, quand on les embarqua, ils descendirent la pente dallée pour déboucher, éblouis dans le vertige de la mer, où une barque qui rayonnait dans les écumes les attendait. Dans tout ce vent, comme la mer sans fin. Il était couché sur le grabat au fond de la case. Et toutes ses voisines, qu'il avait connues depuis toujours, remplissaient l'espace devant lui. Mais en vérité, c'était là l'espace du bateau négrier, c'est-à-dire la cale. Et ses femmes, c'était la cargaison, c'est-à-dire ceux-là qui n'avaient d'abord pas su qu'ils étaient la viande qu'on allait vendre au loin. Mais voilà, dans le ventre de ce bateau si éloigné dans les temps, qui avait roulé en triangle fou de Nantes au Sénégal, du Sénégal aux Amériques. Ce bateau n'avait que deux possibles, la cale et le pont. La cale renfermait tout ce qui allait pour pourrir, pulluler, se remplir de sa propre ventrée. Le pont était ouvert, il brillait et aveuglait, il brûlait sur les peaux à vif. Son odeur était salée. Ce qu'on percevait tout de suite de cette cale était l'odeur intense de pourriture. Il rappelait assez le relent épais des cases de retirement, par où commençaient jadis les initiations des jeunes gens. Dans la cale avait mélangé toutes les odeurs que sa mémoire globale amassait, avait amassé, amasserait encore. Sèche et brûlée des savanes, rauque et titillante du gibier bien chassé, claire et profonde du matin, avec un petit goût de frais. L'odeur chavirante de Stéphanie, sa mère, sans qu'on pouvait savoir pourquoi. L'odeur charmeuse d'Edmé, son amour, et alors on savait. Et combien d'infinités d'autres qui avaient mélangé dans cette cale de la Marianne et qui tombaient sur vous, sur la peau, comme un linge mouillé et faisaient reculer les marins les plus intrépides. Mais cependant, vous pouviez distinguer, si du moins vous aviez la mémoire globale, le relent de ceux qui étaient morts, de ceux qui allaient pour mourir bientôt, de ceux qui résistaient et haïssaient à mourir, de ceux qui voulaient combattre, de ceux qui guettaient, pour régler une fois pour toutes leur affaire. De ceux qui s'étaient retirés dans leur corps, tout simplement parce qu'ils duraient, pour voir où tout ça mènerait. Le bateau avançait. Il grignotait. Dans les vagues et l'inconnu. On les charvoyait de la cale. L'inconnu. Toujours sous danse et résistant. Non,
qui éclatait là en explosion, comme des bois en feu qui pètent. Tu vois le passé, Papa Langoué? Qu'est-ce que c'est? Le passé? Ils sont sauts par là-bas en bas. Ils disent, ce qui est passé est bien passé. Mais tout ce qui passe dans les bois est gardé au fond du bois. C'est pour autant que je marche dans les bois, sans descendre. Le commencement est à la fin, et vice versa. Thank you.
tenions vraiment avant tout à remercier l'Institut Tout le Monde et Mme Glissant de nous avoir permis de travailler sur ces textes d'Edouard Glissant. Vous avez pu avoir des extraits du 4e siècle, de Tout le Monde, d'une nouvelle région du monde, panachée autour de ces écrits sur l'esclavage. Et vraiment un grand merci de nous avoir accueillis sur ce plateau pour cet espace.